Pas de gâteau. Bon. On va marcher. Donc, ce samedi-là, moi, je sortais d'où? Attends, que je me rappelle bien. Même je me suis dans la pharmacie. Voilà, moi, j'étais à la pharmacie, je vous ai aperçu. Et tout de suite, quand je vous ai vu avec l'enfant, j'ai su que non, ce papa a besoin d'aide. Et c'est comme ça que je vous ai suivi. De soutenir d'avoir donné 3 000, je vais vous donner. Après, j'ai dit, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. C'est sûr que vous avez vraiment besoin d'aide. Et là, quand je suis venu maintenant, vous interviewer, là, vous m'avez raconté, vous m'avez raconté votre accident et tout et tout. C'est pas loin. Pas loin, le problème ne sort pas. Ouais, ouais, ouais. Viens comme ça, s'il te plaît. Voilà, donc, papa était un homme normal. Il était un homme normal, un Camerounais normal, qui se battait comme tout le monde. Hein? C'est ça, non? Et un jour comme ça, il a eu l'accident. Et il a eu un déboîtement. Et tu n'as pas porté un truc qui permet de monter le déboîtement. Voilà, donc, le père a eu un déboîtement. Et jusqu'à aujourd'hui, il ne s'en sort plus. Il a touché les nerfs. Ça a touché les nerfs. Uh-huh. Voilà. Voilà, viens par ici. Voilà, donc papa a fait l'accident. Il a eu un déboîtement au niveau du bras. Et ça a touché les nerfs. Il a perdu la vue. Il a perdu la vue et voilà, sa vie a basculé. Un monsieur qui se battait, qui se débrouillait normalement pour élever ses enfants. Parce qu'il faut dire que papa a fait 5 jumeaux, donc 10 enfants. Il y a une jumelle qui est partie. Il a 9 enfants qui restent. C'est ça, non? C'est ma dernière jumelle. C'est sa dernière jumelle. Les autres sont déjà grandes et tout. Mais lui-même, il a envie de vivre. Vous savez que nous, les enfants, nous sommes souvent ingrats. Vous qui vous levez le matin à 6 heures pour laver l'enfant, l'amener à l'école, l'enfant a 3 ans, quand l'enfant chie, c'est vous qui nettoyez. Quand l'enfant a grandi demain, il achète une voiture de 100 millions à son épouse et toi, le parent, il t'envoie au village. C'est pas ça, papa? C'est ça. Alors que c'est le père qui t'a fabriqué, c'est la mère. Qui a été ton premier répétiteur? C'est maman. Hein? Qui t'a arrêté la main pour t'accompagner à l'école? C'est maman. Mais quand tu grandis demain, tu installes ta femme dans une grande villa et tu mets ta main au village. C'est pour ça que je chante l'ingratitude des enfants envers les parents, l'amour maniaque. Tout ce que l'on connaît devient dans la vie, c'est sa mère qui le lui a pris. Oh. Tout ce que l'on connaît devient dans la vie, c'est sa mère qui le lui a pris. Maman fait tout. Les parents font tout pour que les enfants réussissent. Mais quand les enfants réussissent, ils deviennent ingrats. Papa a les enfants, d'autres sont à l'université, non? D'autres sont déjà mariés. D'autres sont à l'école primaire. Voilà, donc, ce jour, j'ai donc fait le direct à papa. J'ai mis un numéro. Mais comme ce numéro n'avait pas de WhatsApp, j'ai donc demandé à papa de chercher un numéro WhatsApp de l'un de ses enfants. C'est le numéro là, non? Donne le numéro. C'est pas sur le papier là. Lui donne d'abord WhatsApp, non? Donne la langue que tu d'abord MTN. Voilà. Donne le numéro MTN. Pas même, donc, faut pas qu'on dise de donner le numéro. Donne. Plus 237 672 87 54 69. On répète. Plus 237. Ouais. 672. 87. 54. 69. C'est le numéro de qui? C'est le numéro de papa NTN. Non, j'ai demandé qu'il apporte un numéro WhatsApp. WhatsApp. Hein? C'est WhatsApp. Le numéro que tu viens de donner là, c'est le numéro de qui? De son fils. Il s'appelle comment? Anno. Il n'y a pas de nom là. Bon. Ça veut dire que vous êtes au Canada, vous êtes aux États-Unis. Vous êtes au Canada, vous êtes aux États-Unis. Hein? Voilà le numéro WhatsApp où vous pouvez joindre l'enfant de papa. Vous appelez d'abord sur ce numéro. Répète encore le numéro. Plus 237. Plus 237. 672. 672. 87. 87. 54. 54. 69. Oh. Répète encore voir le numéro. Non, laisse plus. Pas seulement 672. 87. 672. 87. 54. 54. 69. 69. Voilà, ça c'est un numéro
Parce que papa a 9 enfants, non. Ce numéro, c'est bon, parce qu'on va appeler par WhatsApp. Peut-être, on va voir si je peux. Est-ce que le papa peut utiliser WhatsApp? Il ne peut pas utiliser. Non, c'est aussi notre numéro orange WhatsApp. Un numéro orange WhatsApp, donne alors. 695 21 44 26. Voilà les deux numéros de tes frères. C'est ça, non? Voilà, les deux numéros WhatsApp. Parce que pourquoi on appelle au Canada, États-Unis, partout, numéro WhatsApp, c'est ça, non? Oui. Voilà. Bon, papa, depuis l'autre jour qu'on a fait le direct, quelqu'un a appelé quand même? Oui, il y a deux personnes qui ont appelé. La première personne m'a envoyé 1000 francs. La première personne t'a envoyé 1000 francs? Oui. Ouais. Bon, la deuxième personne m'a envoyé 13 000 francs. La deuxième personne t'a envoyé 13 000? Oui. Ça fait 14 000? 14 000 francs. Voilà. Et moi-même, je t'avais donné 13 000? 13 000. Hein? Oui. Voilà. Donc, je crois que les gens de l'Europe n'ont pas appelé parce qu'il n'y a pas WhatsApp. Vous comprenez? Donc maintenant, comme il y a WhatsApp, les gens vont appeler. Au moins pour que tu ne te balades plus comme ça dans tout Yaoundé. Hein? Pour qu'on essaye quand même de trouver un petit truc. Tu peux faire quoi? Tu peux faire quoi? Je peux faire le commerce. Le commerce de quoi? Comme tu ne vois pas. Tout ce que je peux vendre, le riz, le savon, tout, je peux vendre sur place avec ma fille. Avec ta fille, mais elle ne va pas à l'école. Je voulais dire qu'on les a mis dehors pour l'argent de pension. Mais est-ce qu'au lycée, normalement, toi, en tant qu'handicapé, selon la législation en vigueur au Cameroun, hein, 10% des handicapés ne doivent pas payer pour inscrire les enfants à l'école? Bon, on a 2 mois. 2 mois de quoi? De faire les papiers. Bon, le président des handicapés était malade. Des handicapés, ouais. Il était malade. Bon, ce n'est pas que toi, tu fais ton papier, tu peux déposer. Nous déposons le papier. Notre patron des handicapés, c'est le patron qui amène devant le consigne. Non, ça ne devait pas être comme ça. Tourne, hein, tourne papa comme ça, comme le soleil. Papa, bon, attends, 5 minutes. C'est ça qui nous a fait notre handicap. Voilà, donc ça veut dire que vous avez été en retard. Oui, on a été mais en retard. C'est mal organisé, c'est une mauvaise loi. Comment si le président des handicapés est malade, ou, comme il dit, il est malade, et les autres vont faire comment? Ça n'a pas de sens. C'est sûr que le proviseur. Parce que je sais que pour mettre l'enfant au lycée ici au Cameroun, il faut prendre le choco de 100 000. Il faut donner le choco de 100 000. C'est comme ça que tous ces proviseurs-là font. Vous comprenez? Et c'est très malhonnête et méchant. Vous ne pouvez pas voir un papa qui est handicapé, qui vient avec sa fille, qui veut mettre la fille à l'école, parce qu'il n'a pas 100 000 de choco. Vous laissez l'enfant à la maison. Et ça fait que beaucoup ne sont pas scolarisés. Beaucoup. On nomme les gens dans les postes de faire le travail. Ils viennent, ils commencent à voler, commencent à arnaquer les gens. C'est quand même terrible parce que cet enfant devrait aller à l'école. Cet enfant doit aller à l'école. Hein? Cet enfant doit aller à l'école. Cet enfant ne doit pas être là que et ceci, cela, monter, marcher avec vous dans tout Yaoundé. Hein? Cet enfant doit aller à l'école. Alors, le lycée, c'est quel lycée? C'est quel lycée? Le Sétique de Balamba. De Balamba. Oh, Balamba, c'est à Bafia, non? Après le pont de Bébia. Après le pont qui va à Bébafia, c'est ça? Oui. Mais je crois que monsieur Wanson, que je le rencontre. Parce que je me souviens, il y a en 2008, j'étais venu au Cameroun, je suis allé réparer ma roue chez les soudeurs là, et en tout temps, j'ai dit, ok, je profite donc, je prends un verre, viens prendre la caméra. Je crois que j'ai raconté cette histoire. J'ai donc dit que bon, pendant que les gars la soudent ma roue, je vais quand même essayer de boire un verre à côté. En buvant un verre, je vois 4 enfants. L'autre a le panier d'arachide, le plateau d'arachide, l'autre a les œufs, l'autre a la viande. C'était 4. J'appelle ces enfants. Je dis, mais ces enfants, ils étaient comme ça. Je dis, mais vous ne partez pas à l'école. Les enfants disent que on a refusé de nous prendre au lycée. J'étais au lycée de Noriel. Je dis que monsieur, on a refusé pourquoi? Ils ont dit qu'on a demandé 100 000. Je dis, on vous a demandé 100 000. Ok. Vous connaissez le chômage? Non, je dis, l'enseignant, vous venez chez moi demain à 7 h. On va voir ce proviseur. Je suis allé rencontrer le proviseur. Il dit, mais comment les petits enfants comme ça sont à la maison alors qu'il y a le lycée? Ils me disent que non, si vous avez les frais de dossier, on va les inscrire. Bon, j'inscris les enfants. Trois ont passé pour aller à l'enseignement. Trois ont passé pour aller à l'enseignement. Il y a donc 2 semaines, j'étais dans mon quartier. Il y a une jeune fille qui vient me voir. Elle me dit, monsieur Longa, vous me connaissez encore? Je dis non. Elle me dit, la jeune fille que vous avez inscrite à l'école, maintenant, je fais. Elle fait quoi là? Master 2. Elle me dit qu'elle fait Master 2. Moi, je n'étais pas envoyé, tu le papa. Je n'étais pas Bacchus. Moi, c'est Dieu.
Moi aussi, j'ai grandi comme ça, dans une misère terrible. L'Afrique, il y a encore beaucoup de choses à faire en Afrique. Ceux qui réussissent, c'est, je ne sais pas, mais ce n'est pas la chance. Donc la fille me dit qu'elle a un master 2, ceci, cela. J'ai dit, ah, bon, j'étais content, mais en même temps, j'étais aussi fâché parce que ça fait depuis 2008, mais moi, je ne suis jamais cherché. Mais moi, je fais mon travail. Je fais mon travail parce que chacun a son cœur. Il y a les gens qui ont le cœur de que ils sont dans la voiture climatisée, même si tu vois les gens en train de souffrir, ils ne vont jamais donner. Il y a les cœurs, des gens qui ont le cœur qui sont dans la barrière, que même si quelqu'un souffre à côté, ce n'est pas le problème. Que Dieu va aider tous les gens. Mais Dieu passe par des hommes. Moi, j'ai habité dans 4 familles à deux. Parce que notre maison qu'on avait, l'université de Makepe, on a cassé. On dit que c'est pour construire l'université. On a cassé notre maison. Voilà, notre maison que notre feu maman nous avait laissée. Parce que ma maman et moi, j'avais 7 ans. J'avais 7 ans et mon père, lui, n'a jamais travaillé. Il était un débrouillard. Hein? Il était un débrouillard. Il faisait comme tant, ce qu'il voit, il fait, ce qu'il ne voit pas, il ne fait pas. Donc moi, j'ai grandi comme ça dans le Haya Haya Boubou. Je suis là où je vends l'eau, je vends le gasoil, je vends l'aluminium, je fais le porteur. Je suis là. Et j'étais dans la famille. On avait misé sur tout le monde, sauf moi. Sauf moi, parce qu'on disait que lui, c'est raté. C'est un délinquant, mais c'est moi qui est venu envoyer tous mes frères en Europe. C'est moi qui est venu construire la maison familiale. Tu vois ça, papa? C'est moi qui est venu, ça dit tous mes frères qui ont même eu la chance de fréquenter un peu. Parce que quand on fréquentait, arrivé en troisième, il n'y a plus l'argent pour payer, il reste à la maison. Nous sommes 5 dans le ventre de mon père. 5. Mais c'est moi, je le dis et je vais toujours le dire parce que ce sont mes efforts et c'est mon histoire. Je le dis et je me vante pour ça. Je serais idiot, je n'allais pas aider ma famille, c'est pas ça papa. C'est ça. Voilà. Donc aujourd'hui, grâce à moi, aujourd'hui, il n'y a personne, parmi les 5, personne n'a faim. Personne n'a faim. Le dernier, c'est Billy Longuet. Hein? Donc papa, vous m'avez appelé parce qu'il était question qu'on remette le numéro WhatsApp. Hein? Sur le direct, vous allez dire que bon, il n'y a pas de problème. Mais je sais qu'en Afrique, qui dit merci demande encore. Qui dit merci demande encore. Bon, moi, je n'ai plus trop l'argent pour donner parce que j'ai toujours fait ça comme ça, on m'a tiaillé. On a voulu me jeter à la verdure populaire. Les gens qui ne font pas ça, c'est eux qu'on venait, on s'élève. Mais moi qui tends la main pour accueillir les gens, les soutenir, les accompagner, c'est moi qu'on veut tuer. Donc, à un moment, tous ceux qui sont méchants aujourd'hui étaient gentils avant. Vous comprenez, non? Tous ceux qui sont méchants aujourd'hui étaient gentils avant. J'ai des gens qui ont créé des pages à mon nom, qui reçoivent les 5000 euros par mois, 10 000 euros. Mais je vais trouver une solution. Je vais trouver une solution parce que je considère que je suis en guerre. Et quand on est en guerre, tu dois te défendre. Si je peux abattre celui-là, je l'abats. Et là, moi, je veux me défendre de la plus bonne manière parce que je ne peux pas être que... Je sors mon clip. Quelqu'un prend une main sur sa page, c'est lui que YouTube fait. Je ne sais pas qui a publié Clinique. Vous voyez là, ce n'est pas moi qui mange l'argent de YouTube. Ce n'est pas moi qui mange l'argent d'Ayo Africa. Ce n'est pas moi qui mange l'argent de privatiser. Sinon, c'est que j'ai le jet privé. Regardez toutes les chansons que j'ai, que les gens écoutent partout là. Mais les gens se permettent de que moi, comme je suis là, regardez, je marche ici. Ça fait 2 semaines que je marche chez cet air pour faire une chanson. Je vais dépenser là au moins 800 000. Je m'en vais, je tourne le clip, au moins 2 millions. Je paye Jazz Africa, je paye Canal 2, je paye Equinox, je paye Sia TV. Je paye les radios. Un salopard qui n'a rien fait, il prend le clip, il met sur sa page YouTube. Tout l'argent qui a les vues, si ça fait même 1 million de vues, tout l'argent là, c'est lui qui gagne. Et moi, je n'ai rien. Quand il parle, on dit que le gars à quoi? Parce qu'il y a des bandits qui ont créé des pages qui sont là pour voler tout mon travail. Hein, papa? Donc, à un moment, je considère que je suis en guerre avec ces gens et je dois me défendre. Donc, s'il me faut même aller tremper la main pour finir les gens, là, moi, je vais les finir. Parce que pour eux, même si je meurs, ils s'en foutent. C'est ça, non? Donc, redonnons le numéro de papa. 6. Orange. Ouais. Les deux, hein? Comme papa. Orange. Là, c'est comme il n'y a pas le soleil. Regarde alors. Orange. Papa vient. 695. 21. 44. 44. 26. Papa, viens par ici. Porte la main de papa. Parce que c'est cet accident qui a causé, qui a touché les nerfs. Hein? C'est cet accident qui a touché les nerfs
et papa est devenu aveugle. Il avait une vie normale comme tous les papas qui se battaient pour que les enfants mangent. Dieu merci. Sur 10 enfants, il a encore 9. Hein? Ce qui est sûr, un enfant sortira là-bas avec le cœur comme le cœur de Longuen Longuen. Parce que c'est pas tout le monde qui a le cœur de Longuen Longuen. Approcher un papa comme toi, les gens pensent que c'est la malédiction ou la sorcellerie. C'est quoi? Il me dit que je monte le bras. Qu'est-ce qui est cassé? C'est le bras qui est cassé. C'est l'os, hein? Mmh. Ouais. Parce que même si on met pas l'os là, l'œil est déjà cassé, touché. C'est ça, non? Les nerfs sont déjà touchés. Tout ce qu'il faut maintenant, c'est accompagner papa. C'est la vie. Hein? Mmh. Donne alors le numéro 6. 676 84 69 69 encore donne orange 21 44 26 26. Voilà, donc si vous avez vraiment, si vous êtes sensible à cette situation, tout le fait. Donc, vous avez les deux numéros, ce sont les numéros de ses enfants. Appelez-les. Bon, papa, moi, je vous ai dit que. Moi, on m'a déjà trop tiaillé. Ne m'appelez plus, papa. Bon, ne m'appelez plus parce que après, ça commence à me déranger. Hein? Bon, ça commence à m'embêter. Vraiment, ne m'appelez plus, je dis ça en direct. Parce que j'ai déjà trop fait, les Camerounais ont vu même comme ça, c'est moi qu'on veut tuer. C'est moi qu'on veut tuer. Donc, je préfère que vraiment, qu'on parte voir d'autres artistes. Vous comprenez, hein? Bon, voilà 20 000. Hein? Voilà 20 000. C'est ce que je pourrais faire. Le direct est là. Maintenant, quand vous dites que votre village est de Balamba, ça veut dire que vous êtes du Mbam. Voilà. Que tes frères aussi, tes enfants qui sont du Mbam, prennent la relève. À cause de la méchanceté, la jalousie et la haine, certains Africains ont pris la décision d'empoisonner tous les pays. Seigneur, pourquoi tu es ce qui doit mourir? Pourtant nous sommes tous de passage sur cette terre. Que celui qui me tue ne reste pas mourir.
frustration. Pourquoi tu es ce qui doit mourir? Pourtant nous sommes tous de passage sur cette terre. Non à l'empoisonnement, non à l'empoisonnement des bengistes.